Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, présente. Thirteenos, mémoire de radio, présente. Dreizehnos, mémoire de radio, présente. Terre des enfants, une émission réalisée avec le concours de Jacques Duchâteau, jouée par Chanty, Michel Dumur, Geneviève Druon, Marianne Oswald et Annie Pierre, Pierre-Olivier. Mise en onde, Christiane Mallarmé. Aujourd'hui, l'homme des neiges. Nous sommes à la gare où Chanty et Michel rejoignent le groupe Capucine avec leur guide moniteur. Tout ce monde part pour faire du ski à l'Alpe d'Huez. Attention les voyageurs pour Grenoble, en voiture s'il vous plaît. Attention au départ, attention. Allons les enfants, ne restez pas dans le couloir. Allez à vos places. Oh, mais je voudrais dire au revoir à maman. Tu lui diras aussi bien par la fenêtre du couloir. Viens Michel, dépêche-toi. Oui. Chanty. Maman, au revoir, je t'embrasse. Sois bien sage, bien prudente surtout. Je te le promets maman, je t'enverrai de belles cartes postales. Michel, fais attention. Reste toujours bien avec les autres enfants du groupe. Au revoir, maman, je t'embrasse et embrasse bien fort papa pour moi. Oui, et promets-moi de ne pas faire le fou et de m'écrire avec beaucoup de détails. Oui, entendu, ma petite maman. Dis, Michel, tu crois qu'il y aura de la neige? Oh, il y en a toujours de la neige en haut des montagnes, même qu'on dit des neiges éternelles. Mais il faut qu'il fasse froid pour qu'il neige. Sans ça, s'il pleut comme à Paris... Alors on ne pourra pas faire ni de la luge, ni skier. Non, forcément. Oh, ce serait terrible si on ne pouvait pas faire de ski. Moi qui veux raconter mes prouesses aux copains. Mais il y aura de la neige, mais oui, j'en suis certaine. Et nous allons bien nous amuser, tu verras. Nous savons la propre camarade, lui sourire et lui dire merci. Hey, maintenant les enfants, installez-vous pour dormir. Hey, nous arriverons vers les 7 heures demain matin à Grenoble. Allez, éteignez la lumière et bonsoir. Bonsoir. Grenoble, 15 minutes d'arrêt, Grenoble. Les voyageurs pour l'Alpe d'Huez, Villard-de-Lans, descendent ici. Allez, par ici les enfants du groupe Capucine. Je vais faire l'appel. Patricia. Présente. Gilles. Bonjour, monsieur. Babette. Oui. Sylvie. Présente. Philippe. Monsieur. Marc. Présent. Chanty. Présente. Michel. Monsieur. Non, parfait, tout le monde est là. Et nous allons maintenant prendre un car qui nous conduira à l'Alpe d'Huez. Vous savez que c'est à 1800 mètres d'altitude. Nous allons donc traverser Grenoble.
C'est une grande ville, Grenoble, monsieur. Ah, oui, c'est une très jolie ville, oui. Avec une belle cathédrale, la cathédrale Notre-Dame. Et puis un beau palais de justice. Il date des 16e et des 17e siècles. Oh, dis donc. Oui, plusieurs personnages illustres sont nés à Grenoble. Nous avons Hugues de Lionne, qui fut un grand ministre de Louis XIV. Oh. Casimir Perier, dont le fils fut président de la République. Oh, je savais et puis, pas. Et puis le grand écrivain Stendhal. Ah oui, ça c'est vrai. Tenez, regardez, on passe justement devant la maison natale de Stendhal. Plus tard, vous lirez ses œuvres. Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. Tiens, les Chartreux ? Je croyais que c'était des religieux. Oui, bien sûr, d'abord. D'ailleurs, nous allons passer tout à l'heure le long de la Grande Chartreuse. C'est un très beau monastère où chaque bénédictin cultive son petit jardin. Est-ce qu'il n'y a pas une liqueur qui s'appelle la liqueur des Chartreux ? Eh oui, mon petit, les Chartreux font de la très bonne liqueur avec des plantes qu'ils trouvent dans les montagnes. Ah. Peut-on visiter la Grande Chartreuse ? Il faudrait avoir un peu plus de temps devant nous. Vous savez, mais enfin, si vous voulez, nous pourrons y faire une courte halte. Tiens, c'est juste l'heure où nous pourrons entendre les Chartreux chanter. Non, il faut monter plus haut. Celui-ci enjambe l'Isère et atterrit là, vous voyez, au-dessus de cette colline. On doit avoir une belle vue de là-haut, hein. Oh, bien sûr. On voit le Mont Blanc ? Ah, pour ça, il faut qu'il fasse très clair. Mais dehors, les enfants, pour eux triomphant, regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant d'un roi nègre qui soudain serait blanc de froid. C'est l'hiver. Dites, chauffeur, la route a l'air d'être bloquée. Sûrement, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on est en panne, on ne pourra pas faire du ski tout à l'heure. Mais si, ça n'est qu'une petite avalanche. Mais comment va-t-on passer ? Mais ne t'affole pas. Mais non, tout est prévu pour les petites avalanches. Ah bon ? Il y a toujours dans le car des pelles, des pioches. Allez, au travail, tous, et ça ira plus vite. Et maintenant, la route est déblayée, allez, remontez tous, on repart. Oui, c'est vrai ce que disent les autres enfants du groupe, monsieur le moniteur, que vous avez fait partie de l'expédition française qui conquit l'Himalaya en 1950. Oui, Michel. Mais l'Himalaya, c'est plus haut que le Mont Blanc. Oh, je crois bien, oui, tous les sommets de l'Himalaya ont plus de 8000 mètres. Le plus élevé du globe s'appelle le Mont Everest, avec 8888 mètres, alors que le Mont Blanc n'a que 4810 mètres. On dit même 4807, mais enfin... Est-ce que c'est vrai aussi qu'il y vit un personnage mystérieux, l'homme des neiges ? Ah oui, on a trouvé des traces qui pourraient être celles d'un être humain 3 ou 4 fois plus grand qu'un homme normal. Mais lui, l'homme des neiges, comme on dit, personne ne l'a vu. Et si, en fait, l'homme de neige, c'était seulement un gros ours ? Et personne n'a essayé de le voir de près ? Ah si, mon petit, si, on a essayé de suivre les traces, mais sans aucun résultat. Après avoir monté péniblement, on a fini par les perdre. Du reste... Le chef de l'expédition et ceux qui l'accompagnaient étaient extrêmement fatigués et ils ont dû redescendre au campement. Eh bien moi, quand je serai grand, je partirai pour retrouver l'homme des neiges. Ah, nous voici arrivés. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Madame. Par ici. Soyez les bienvenus à l'auberge du Cheval Blanc. Eh bien, nous voici arrivés au but de notre voyage. Oh, comme c'est adorable, ce chalet ensoleillé. J'ai une de ces femmes. Oh, moi aussi. Il y a de quoi calmer vos appétits, les enfants. Oh, tant mieux. Voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les sautels, les jardins, les prairies, les sapins. Et chaque matin, on prend le café au lait, avec des gâteaux et des croissants chauds.
prendre le café. Olé, olé, à ce que ça peut être bon, non, non, non. C'est vous, madame, qui allez nous apprendre à faire du ski tout à l'heure? Non, mon petit. C'est mademoiselle Duplex qui déjeune à la petite table au fond de la salle. Quel vacarme! Voyons, on ne s'entend plus ici. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mes enfants. Alors, mademoiselle, c'est vous notre professeur de ski? Mais oui. Nous sommes prêts. Oh, mais je ne vous emmène pas faire du ski tout de suite. Comme cela, après votre nuit de voyage, il faut vous reposer un peu. Du reste, j'ai une autre leçon à donner. Je ne prendrai votre groupe que dans 2 heures. Commencez par apprendre le chasse-neige. Le chasse-neige, pourquoi faire? Voyons. Pour le chasse-neige, vous mettez vos skis en V. En V? Ah oui, comme le toit d'une maison. C'est ça. Vous rapprochez les spatules de vos skis et vous écartez les talons. Comme ça? C'est ça. Attention. Pour vous arrêter, vous gardez la même position, mais tout le poids du corps doit être porté sur l'un de vos skis. Et vous tournez tout seul. Essayez. Oh, c'est pas commode. Voyons. Regardez-moi faire. Oui. Allons-y. Oh, oh, ah, elle est tombée. Vous n'êtes pas fait de mal, mademoiselle. Dieu merci, non. Oh, la leçon était d'ailleurs terminée. Allez vous amuser derrière le chalet. Oui. Laissez la piste libre pour la leçon de luge. Récapitulez bien les mouvements que vous venez d'apprendre. Si elle trouve qu'on a appris quelque chose, dis Chantilly, il faut un rude entraînement, mais j'aimerais bien savoir... Savoir quoi? L'histoire de l'homme des neiges. Tu crois qu'il existe vraiment? Alors, il doit être un véritable géant. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge. Et d'un coup, disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe, et puis son vieux chapeau. Le poème. Il pourrait bien exister un de ses descendants dans les Alpes. Et pourquoi pas? Oh, j'ai une idée. Si on allait prendre le téléphérique pour aller chercher les Edelweiss, pour les rapporter à Paris. Riche idée. On y va? Mon Dieu, que c'est haut! On se croirait à l'Himalaya. Quelle vue! Regarde, Michel! Qu'est-ce que c'est? On dirait des traces! Toi aussi, tu es fasciné par l'homme des neiges! Comme toi? Pourquoi pas? Tu vois là-bas? Au loin, un skieur! Il en fait des virages! Oh, je ne vois qu'un petit point rouge se détachant derrière les sapins! C'est un skieur, pas d'erreur! Je te dis qu'il est habillé en rouge! Quelle vitesse! Oh! Oh, j'ai eu peur! Oh, je croyais qu'il allait tomber dans le ravin! Mais que c'est dur et fatigant de marcher dans la neige avec les skis au dos. Et fin de c'est froid. Et c'est mademoiselle qui tenait tant à prendre le téléphérique. Regarde, ils sont beaux les sapins sous la neige. Leurs branches ont l'air de remuer comme des bras. Le ski rouge s'avance vers nous.
Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous amène ainsi seul au royaume de la neige? Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Chanty et mon copain Michel. Nous sommes de Paris. Nous faisons partie du groupe Capucine et nous avons commencé d'apprendre à faire du ski. Eh, mes enfants, ce n'est pas prudent de vous aventurer tout seul dans cette haute région. Et vous, monsieur, ne craignez-vous rien? Oh, moi, je suis un vieil habitué de la montagne. Les sapins sont mes amis. Ils me doivent beaucoup de joie. Comment? Je ne vous comprends pas. Mais si, c'est grâce à moi que les sapins se réchauffent chaque année dans les familles avec les petits-enfants. Vous êtes marchand de bois? Je suis le Père Noël. Le Père Noël! Mais où est votre grande barbe blanche? Ma barbe, je l'ai fait couper. Oh. C'est plus commode pour faire du ski. Et puis je suis tranquille, elle aura bien le temps de repousser pour l'année prochaine. Alors, vous me dites que vous êtes venu pour faire du ski. On a tout juste commencé une première leçon. Il nous est arrivé un pépin. Un pépin? La monitrice est tombée et il a fallu interrompre au meilleur moment. Et vous, Père Noël, vous faites du ski depuis longtemps? Oh, depuis des milliers d'années, il faut bien que je me détende un peu après tout le travail que je fais pour la grande nuit. C'est bien de skier, les enfants, ça renforce les muscles. Vous ne voulez pas nous apprendre encore un peu? On en a su peu profiter. Ah, je veux bien. Allez, mettez vos skis. Là. Allez, en avant, les enfants. Terre des enfants, une émission de Marianne Oswald, réalisée avec le concours de Jacques Duchâteau, jouée par Chanty, Régine Chantal, Michel Dumur, Geneviève Druon, Marianne Oswald, et Ami Pierre, Pierre-Olivier. Mise en onde, Christiane Mallarmé. C'était une production de Marianne Oswald.